Bonjour. Bonjour. Oui, parce que déjà on va commencer par un bonjour parce que ça va bien se passer entre nous deux comme ça. Non, mais parce que là tu commences à venir me parler, tu me dis pas bonjour. C'est Sabadou, mais pas Professeur Kev parce que lui il fait des vidéos sur Pokémon et en plus il est mauvais. Et on se retrouve, blablabla, Golden Soul, allez hop, on y va. Speedrun. Bon. Speedrun, mais en étant sérieux cette fois. Bon, je dois vous avouer, que j'ai juste envie de quitter. Allez, hop, on se retrouve pour l'épisode 10. Non. Ok, j'ai déjà plus de vie, mais grâce au pouvoir du Hunter. Mais putain, je prends des dégâts où? Où? Dites-moi. Abeille de merde. Abeille de merde. Roquette. Ah oui. Alors attends. On va faire un truc. Voilà. J'ai oublié de vous préciser, j'ai joué en off. J'ai farmé, et j'ai farmé les grosses pièces. Et j'ai pu m'acheter le flingue en or, le double shotgun en or, très cosy, la mitraillette en or qui tire, qui a un tir rate beaucoup meilleur, et le lance-roquette. Puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai bien évidemment farmé les pièces totalement raisonnables, sans tricher. Alors, maintenant que le... Sa mère. J'ai paniqué. Il y a un truc derrière moi. Au secours. Attends, je vais prendre le... Le sniper. Voilà. On sera plus emmerdé. Je pense que le jeu va être un petit peu plus facile. Ah oui, on peut pas viser. Je croyais qu'on pouvait viser avec la mitraillette. Visiblement non. Ok, bah je n'ai pas perdu mon skill, visiblement. Ouais, bah j'ai beau avoir du tirate, ça reste faible comme arme. J'ai du mal à esquiver, je suis rouillé. Tiens, il était là lui. Casse-toi. Je vais peut-être rejouer un petit peu avec le double shotgun vu qu'il est amélioré maintenant. Bonjour. Oula. J'ai vraiment Non. Bonjour. Alors, je sais vraiment pas si c'est le fait que ce soit des sacs à PV. Ou alors que ça fait long... que ça fasse longtemps que j'ai pas joué. Mais j'ai vraiment la... Mais putain! Alors toi... Merde, j'ai plus de munitions. Du coup, je vais pas pouvoir tuer l'autre. J'ai vraiment l'impression d'avoir des armes faibles, en fait. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Non mais le truc... Non mais non, non, par contre, le truc qui fait un angle droit. Un demi-tour. C'est pareil. Bonjour! Bon, lui, il est débile. Vieux débile! Il est débile, mais il me casse quand même les couilles. Ah bah tiens. Il se fait tuer par ses potes. Chet. Pardon. Par là visiblement pas. Putain, j'ai pas la moindre idée d'où il faut aller. Ok, ce saut était possible. Je crois qu'il faut que je réapprenne les mécaniques du jeu hein, parce que là je suis perdu. Oh, c'est pouvoir de voler ça. Oh shit. Je sais que voler c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a une pièce là-bas. J'ai ma pièce. Je vais perdre le pouvoir de vol. Au secours. Ok, ça me dit pas où c'est que je dois aller. Ah merde, je suis au début du niveau. Quel enfer. C'était ici visiblement qu'il fallait aller.
Oula, qu'est-ce que c'est cet enfer? Panneau d'affichage. À moins que t'aies envie d'avoir ton cul rempli d'épines, ne va pas sur ces lianes. Très bien. Je note. Je note et je fuis cette putain d'abeille. Elle est où? Elle est où? Au secours! Non mais vraiment, les abeilles, c'est le boss final de ce jeu. Et il fallait que je me le prenne. Yes! Alors, question. Est-ce que je meurs si je tombe là? Pas tout de suite, pas dans l'immédiat, mais c'est brutal. En même temps, j'ai 19 HP. Oh non, pas toi, casse-toi, toi. Avec tes roquettes de merde à tête chercheuse qui me cassent les couilles absolument dans tous les épisodes. Un peu de vie. Très bien, une abeille morte. Oh, oh, il me tire dessus. Oula, j'ai... Pardon? C'est la tête chercheuse? C'est une flamme? Je me souviens plus. Oula, d'où Jésus? Attends, tu meurs pas, toi? Mais crève! Abeille de merde, abeille de merde. Abeille! J'ai 5 HP et on me tire dessus. Ok, si j'ai une bouteille, j'en ai besoin. Il y a un revenant, il y a un revenant là. Il y a un revenant, je suis tombé par terre. Par terre! Je vais mourir. Ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas. Il a pas tiré. S'il a tiré. Je panique. Oh putain, il y a du monde. Je me soigne. Je vais plus avoir de bouteille à force. La poussière d'étoiles est mon meilleur ami. J'en ai bientôt plus. Je suis déjà à la moitié de mes munitions. De la vie, très bien. Ça. Du coup, ça, ouais. Petit pouvoir de fly. On va le prendre. On va passer par là. Et on va aller... Hop, tac. Et on va vite monter. J'ai dit vite. J'ai dit vite. C'est bon. Je suis en vie. Très bien. Très sympa. Meurs. Merci. Ici, c'est fermé. On va utiliser un petit peu le lance-roquette. Très bien. Des roquettes. Ça s'est bien passé. Étonnamment. Je conçois une légère amélioration de dégâts au niveau du lance-roquette. Normalement, les mancubus prenaient 3 roquettes avant de mourir là. Ils n'en prennent que 2. Plutôt agréable. Je dois l'admettre. Ces ennemis sont chiants. Étonnamment. Je suis tombé. Au secours de la vie. Au secours. Est-ce que je peux me défaire de ces lianes? Bien évidemment. En allant ici, s'il vous plaît. Un checkpoint, ça veut dire que c'est pas la fin. Chier. Oh, je n'aime pas ça. Il y a toujours le truc qui me tire dessus. Vite. Oh, ce speedrun. Oh, ce speedrun. Oh! Je vois la fin du niveau, vite! Dépêchons-nous! Je me fais tirer dessus, mais j'esquive. Les ennemis sont des... nullos. Il y a une pièce ici. Est-ce que je tente de la prendre? Comment je pourrais la prendre? Faudrait que j'arrive à faire un saut. Un saut comme ça, en cloche, pour réatterrir sur ce style là-bas. Par contre, vous... arrêtez de me tirer dessus pendant que je réfléchis. C'est sympa. Et en plus, c'est mal poli déjà d'une. Ok. On va le tenter. C'était nul. Non, là, un peu plus loin. J'y suis arrivé. D'où Jésus?
que ça a fait? Ah, ça a mis des nuages ici. Très bien. Allons-y. Hop là, la fin du niveau. Ouh, tout le monde est heureux. Ça fait. On a quand même deux pièces dans ce niveau, c'est quand même pas mal. J'en profite pour vapoter. Ok, on est quand même pas mal touché, je vais aller me soigner. Bon, j'ai pu me soigner, mais par contre, j'ai pas pu me faire le plein de munitions. J'ai plus d'argent, au secours. Alors la suite, c'est... Château hanté. Bon, bah, let's go. Je n'aime pas les châteaux hantés. Ah, ok, en plus, on m'accueille super bien. C'est vraiment un plaisir de se faire accueillir de la sorte. Super. Oh, c'est un système de plateforme qui apparaissent et disparaissent. Putain, j'aime pas ça. Oh, la sortie! Hop, voilà, on a fini le niveau. Bon, ça va, je rigole. Attends, j'entends une... Si, si, voilà. Faut pas oublier qu'on a ça. Ok. Ah, merde, je n'ai plus de munitions. Mon lance-roquette. En vrai, si ça va... La mitraillette, elle fait ses dégâts. Ok, il va falloir analyser le pattern. Ok. Très bien. Une pièce, cela dit. Elle est fermée. Alors. J'ai plus aucune idée d'où est ce mur, bordel. Alors. Ah, c'était là. Très bien. Ok. Ouh. Pas mal. Ok, on est à l'extérieur. Oh putain, fait chier. Il y a plein de... Attends, je vais les attirer sur moi. Voilà. Ça va plus vite. J'en entends un. Il est où? Où est l'araignée? Oh, elle est là? Ah oui, non mais... Ok. Je suis facile, en fait. Bon, ça... J'aime ce manoir hanté. Parce qu'il a l'air d'être bien quand même en ligne droite. Et c'est pas un putain de labyrinthe. Je déteste les labyrinthes. Personne n'aime les labyrinthes, de toute façon. Je me suis déjà retrouvé à devoir casser la gueule à un gérant du labyrinthe des miroirs dans un parc d'attractions. C'est vous dire. Je déteste les miroirs. Et les labyrinthes. Ah non, mais je l'ai pas vu, Ludan. Tout va bien. Tout va bien. En plus, j'ai un checkpoint juste à côté. Y a pas de raison de s'énerver. Ah, ah, ah. C'est quoi ce truc rouge là? Il y a de la gélatine avec des têtes de mort. C'est un labyrinthe. Et c'est pas un putain de labyrinthe.
C'est marrant, ça. Ça fait rien. Si, je suis à part tombé comme un connard. Non, mais j'ai entendu une... Elle est par ici. Ah ! Oh oh ! What a pork shop, mais... Quoi ? What is a pork shop, a miserable little pile of meat ? Rien compris. Rien compris, moi. Elle a quand même plus de gueule, cette mitrailleuse, maintenant qu'elle a du peps. Ça reste faible comme arme. Ah, elle était là, ok. Ici, ça mène à où? Je sais pas, j'ai pas envie. Ah, ok. Je vois. Très bien. Encore à l'extérieur. Hop là. Mais connard, j'étais parfaitement en train de te regarder. Ouh, ça va être chiant ça. Très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Ah, c'était pour une Golden Soul. Allez hop, la Golden Soul, paf. Pour une Golden Soul, absolument pas. Une Gold Spider. Genre, je trouve la Golden Soul juste dans un coin de meuble, dans une maison hantée. Très bien. Moi je dis pas non, hein. On finit le jeu plus vite. Hein. Voilà. What a starry night to have a curse. Ok, bien évidemment une référence à Astérix. Absolument pas, c'est Castlevania. De toute façon, la musique de ce niveau était de Castlevania, donc... J'adore ma vie. Oh, ça fait longtemps qu'on avait pas eu des petits fails de saut comme ça. Il y a pas trop eu dans cet épisode, mais tant mieux, comme ça. Je rage pas trop. Il n'y a pas encore un truc en bas? Si, en bas, pourquoi il y a un... non, mais qu'est-ce que je viens de foutre? Oh, je suis complètement mort. Oh, je suis sur la... je suis sur la Goldfeuille, là. Non, mais j'ai pas sauté. Attends, on va réessayer. Ah, bah ça marche pas tout à coup, visiblement. Voilà. Tiens, le retour de ces saloperies empoisonnées. Ok. Je
pense qu'on est bientôt arrivé. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est la première fois qu'on les voit, ça, non? Bonjour. Là, oula, ok, c'est vénère. Oh bah tiens, j'ai eu deux d'un coup. Nickel. Allez, on va traverser ce portail. Se tirer de ce... The curse has been lifted. Très bien. Et on va pouvoir se tirer de ce foutu château hanté. Golden Spider. Je l'ai vu. Casse-toi, toi. Mais après, c'est où qu'il faut aller? Je suis jamais allé ici? Non, visiblement, je suis jamais allé. Ok, ça a ouvert la porte du exit. Très bien. Et ça, ça nous a ouvert la porte directement pour aller au exit. Voilà. Level completed. C'est parfait, ça. Voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Ok, il y a visiblement une deuxième sortie à ce manoir. On est à la... Donc ça veut dire boss, et ça veut dire fin de ce monde, mais ça veut aussi dire fin de l'épisode. Oui, j'ai décidé de ne pas faire la tour en dernier, mais de le garder pour le prochain épisode. Et le prochain épisode, peut-être qu'on fera un des niveaux du prochain monde qui est juste en bas. Voilà, ça a l'air d'être une petite ville. Et ben en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, si vous a pas plu, tant pis. Bisous, à la prochaine.